Il y a quelques jours, j'ai lancé Battlefield avec des amis à moi et des gens qui ne jouent quasiment pas à Battlefield d'ailleurs. Et on s'est aperçu d'une chose, c'est que les médics faisaient très peu de réanimation. De moins en moins en fait de personnes jouent médecin et le jouent réellement très bien. Et j'avais envie du coup de reprendre un petit peu un défi qui a déjà été réalisé sur YouTube plusieurs fois et qui est inspiré d'un peu de ce que Drungzy a pu faire il y a quelques temps et il l'avait publié sur son Twitter, et d'un défi qui porte le nom de Tu ne tueras point, faire une game où je ne fais que des réanimations et des captures et je ne fais absolument aucun kill, et je vais vous prouver que même en faisant ça, même en le faisant complètement à l'arrache et en jouant direct avec vous, bah vous pouvez faire premier de la game. Donc ça va être quelque chose d'un peu contre-intuitif pour la plupart des joueurs un peu call of, un peu etc. Mais en gros, je vais vous prouver que vous pouvez être bon à un jeu sans faire de kill. Et ça sur Battlefield, bah c'est vrai, vous pouvez être bon à Battlefield sans forcément faire de kill. Le tout étant de bien se placer et de jouer avec votre équipe. On va essayer de pas mourir bêtement. Ah dommage. Voilà, j'avoue là c'est un petit peu greedy. Alors évidemment, vu que je joue en live, hein, il y aura forcément des cuts, des moments où je parle pas trop parce que bah, je suis pas habitué à ce genre d'exercice. Et je vais essayer de faire ça le mieux possible, bien évidemment. Mais je ne prétends pas être un joueur forcément excellent, voire très fort, mais juste pour vous montrer que justement, même sans faire de kill, on peut se retrouver à avoir énormément de points sur Battlefield. Et c'est important en fait de jouer comme ça sur Battlefield. Voilà, on enchaîne les réanimations. Oh, 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 mauvais réflexe. Ok, mauvais réflexe. Ah, j'aurais pu prendre l'aria, j'aurais dû mettre la smoke, spawn rapidement. Ce sera peut-être plus intéressant au niveau déplacement que je vais pouvoir exécuter. Hop. On va remettre des munitions pour les alliés. Voilà. Je vais me soigner moi aussi. Je reprends des munitions, je reprends tout ce qu'il faut. Le problème est que voilà, je vais pas pouvoir contre-push. Je vais pas pouvoir jouer comme ça, mais je vais vous montrer que effectivement, en se plaçant correctement sur BF, on peut être. Le seul kill que je m'autorise, c'est un kill à la sirène de morphine. Hein. Et encore, je joue sur une petite carte de manière assez volontaire, mais la dernière fois qu'on a eu cette mauvaise expérience, ça se passait justement sur cette carte. Hein. Je vais mettre un ping, je vais essayer de spawner sur mon allié, ça sert à rien que je reste là des heures et des heures. En fait, là, c'est pareil, je vais pas pouvoir m'amuser à back comme j'ai l'habitude de le faire et que j'aime le faire. Et là, je peux juste bah, subir. Je vais essayer d'aller faire les réas derrière. Essayer d'aller aider l'allié. Mais vous allez voir, hein, ça va être. Voilà, là, j'ai eu peur. Hein. C'est moi qui ai failli passer. Je vais essayer de retourner au middle. La grenade qui fait mal. Je cours. Voilà. Ça prend des réas dans tous les sens. Je suis conscient que cette vidéo va être un petit peu longue, mais évidemment c'est important aussi de vous montrer un peu l'envers de ce que peut être Battlefield. Bon là évidemment, si je prends pas de kill, ça va pas. Mais je rêve pas sur le fait de gagner la game forcément. Je dis pas que forcément que je suis l'élément qui retourne les games et qui fait que les games sont win. Hein. Mais c'est vraiment
pour vous montrer que vous pouvez être en haut du classement et que ça veut absolument pas dire grand chose, même si justement je veux vous montrer que les kills sont importants. Et ça sur tous les Battlefields, bien évidemment je le fais sur 2042 parce que c'est d'autant plus flagrant sur 2042 et je trouve ça important de le montrer. Et du coup je le fais sur 2042 parce que c'est là où j'ai les mauvaises expériences ces derniers temps. Évidemment, ce genre de comportement est important sur tous les Battlefields, quel qu'il soit. Je me suis retrouvé bloqué, j'ai fait un peu de merde, dommage. Un peu de mine pour avoir... un maximum de réa, évidemment. Ok, il y a eu un mec qui a pris une réa, c'est cool. Pas forcément avec mon escouade, mais je suis utile là où je me trouve. Derrière, ça pète un peu. C'est en train de craquer un peu partout là. Wouhouhou! L'arrêt est passé. Wow. Je vais aller aider les alliés là. Hop ça, merde, j'ai mal lancé. Je suis pas loin devant, mais je vais essayer de garder mon rang de premier de game pour l'instant. Ah dommage, wow, je me suis fait laser hein. Je suis un peu derrière, ouais, l'allié va peut-être venir me chercher. Et je suis avec une escouade qui franchement joue, il y a un mec qui fait 9 réa là, donc c'est cool. Et ça joue plutôt bien. Ça a l'air de jouer un peu plutôt bien. Alors, j'ai eu du bol avec cette... Ah! Le mec est parti trop vite. Je vais essayer de retourner au milieu. Faut vraiment se déplacer, c'est important sur BF. Hein. Si vous vous déplacez pas, personne ne le fera à votre place. Oh. Je vais courir avec mes alliés là. Le seul truc que je peux faire, me rapprocher de mes alliés pour qu'ils prennent les kills à ma place. Oh, il avait une... comment dire, une épinéphrine là, le truc pour faire les pour ce heal. Je sais plus parler, c'est grave. Voilà. Bon, moi je vois des grenades qui pètent, je suis content hein, évidemment. Ça me permet de me donner pas mal de travail. Évidemment. Alors, les mecs ils vont pas comprendre ce que je fais en plus parce que ils vont dire attends, le mec il prend aucun kill. Parce que techniquement, de leur point de vue, du point de vue de beaucoup de joueurs BF, je suis complètement inutile. Hein. Mais pour moi, vous n'êtes pas un vrai joueur BF si vous comprenez pas l'utilité des médecins. Oh, ouais, là. Cours. Yoplé. C'est la course. C'est le running. Non, dommage. Voilà. Chercher l'allié qui est là. Voilà. Vraiment jouer avec les munitions et faites des réanimations hein, si vous voulez XP super vite sur Battlefield, ça c'est important. Et vous verrez que ça fera le taf. Et c'est un taf qui est hyper important et hyper conséquent. Je vais aller rechercher l'allié là-bas. Hop.
Hop, on fait le taf, on fait le taf, on fait le taf. Je cours parce que là, je suis un peu en train de... Je vais pas dire d'être inutile, mais... On lui a remis un heal. Non! Bon, je me suis mort devant l'allié, est-ce qu'il va mourir? Oui, il mourira, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ça nous permet de faire le taf. Par contre, là, on se fait complètement contourner sur la gauche. Et je vais courir avec les alliés à droite, là où ça passe. Ça, c'est un peu con, par contre, ce que l'allié a fait. Ouais, on va se faire contourner. Voilà. Ouais. Ouf. Si l'allié a eu sa reste comme il faut et qu'il a pu arriver dans leur dos, c'est intéressant. Il y a quand même de l'area, hein, je trouve que c'est quand même faible. Vu la proportion de... En plus, maintenant, on peut se réa dans les escouades. Et je trouve que c'est triste, quand même. Ah, dommage. Ok, le mec a une bonne ligne. C'est cool. Je vais attendre. Il y aura peut-être un médic fou comme moi qui va arriver pour faire l'area. Ok, c'est cool. Dommage. Le C5. Voilà. C'est cool. En fait, les gens ont le réflexe d'appuyer sur le bouton pour passer la game, du coup. Enfin, pour passer au respawn. Et du coup, c'est assez horrible parce que, quand tu viens pour faire les réa et que tu fais l'effort. Au final, t'es pas récompensé parce que le mec se laisse part au respawn. C'est un peu énervant. Après, oui, je suis d'accord, le mec peut aller changer de classe. Ce qui en soi est aussi une bonne idée parfois quand tu dois t'adapter un peu à quelque chose, à un gameplay qui te plaît pas forcément. Ah oui, en effet, tu peux songer à changer de classe. Mais surtout quand tu vois qu'un médic te court dessus, bah, c'est un peu con quoi. Et là, il y a du monde qui meurt de l'autre côté. Voilà, là, il y a du taf. Là, il y a du taf. Et je suis tellement loin devant au nombre de points. Oh, dommage, lui il a bougé au pire moment. C'est incroyable, c'est juste incroyable. Eh, no kill ne veut pas dire no skill. Et une fois de plus, Battlefield vous le prouve, même si 2.42 est loin d'être parfait. Le travail en équipe est quand même tout aussi important que sur les autres BF. Mais se laisser mourir, c'est un peu dommage quelquefois parce que juste voilà, une réa peut vous retourner une game. Parce que si votre médic vous réa et que vous avez le temps de backstab à deux et d'avoir des solutions peut-être. Bon, j'ai eu ma réa. Il est vivant, il est parti, il est en sécurité. Moi je suis mort, c'est pas grave. Là, il y avait du taf sur ce spawn là. Voilà. J'ai cru que j'allais pouvoir faire le kill à Siad de morphine. J'allais dire, vraiment là, on aura validé un nombre de choses incroyables pour cette game. Le kill à la sirette aurait été incroyable. Ok, il y a de l'area.
Il a 120 mètres, il est un peu loin de moi. Les gens ont utilisé des smokes, c'est important. Il n'y a pas besoin de moi peut-être pour l'instant. Là ici il y a besoin de moi, donc c'est cool. Rendons-nous utiles. Voilà, la triple réanimation qui fait du bien à tout le monde. C'est hallucinant, c'est... ouais. Voilà les gars. Le jeu en équipe à la BF, c'est ça. Là, un 12ème auto dans ce couloir, là, vraiment, il y aurait une régalade pour les mecs d'en face. Ok, ça joue avec Irish ici, il y a moins de grenades. Je vais essayer d'aller chercher le collègue qui est juste là, là. Et je vais essayer d'aller les aider de l'autre côté. Là, on fait une game assez cool. Dommage. Ah, il m'a eu à travers le wall. Des munitions et de l'huile un peu à tout le monde. En fait, j'ai tellement le réflexe de switcher sur mes armes. Ok, c'est cool ça. Ça fait le taf. Il y a eu une réa. Le mec qui a fait le kill là, il va dire mais attends, je comprends pas. Lui il a pris ses munes. Eux ils ont vu leur vie revenir de manière incroyable. Allez, on court. Allez, c'est pas grave. Dommage, j'ai donné un kill à l'ennemi. C'est pas grave. Il a que 29 kills. Les mecs ils doivent pas comprendre ce qui se passe. L'abus. Pour l'instant la game se passe pas trop mal pour nous. C'est une game hyper serrée, en plus ça avance pas. C'est un peu relou d'ailleurs pour moi. Mais du coup je peux pas suivre les push. Ah dommage. Il a eu le réflexe de sortir son pompe. J'aurais pu avoir le réflexe plus rapide de res l'allié. Mais bon. J'ai entendu la flash plus le mec se prendre le tir en pleine tête là. Oh dommage. Dommage. Putain, ce serait bien d'atteindre les 100 réanimations là. Le défi est fun, je m'amuse en vrai, parce que du coup je tryhard les réas. Et je trouve ça plutôt cool, en fait. Bien. Ça me refait faire un peu les bases de BF, et je trouve ça agréable. Ça me fait revenir aux bases de BF. Hop. Voilà. Wouhou! Autant nous flasher nous-mêmes. Dommage, j'ai pas pu aller chercher l'area, il s'est fait respawn. Voilà. J'ai tenté le kill à la sirène. Mon écran, il a clignoté pendant 20 ans, hein. Ah, merde. Ah, ok, d'accord. Il y a toujours ce bug là des types qui campent au-dessus de la porte. C'est waouh. C'est incroyable ça. Hein. J'arrive pas à comprendre comment les mecs peuvent trouver ça fun. Et comment les devs n'ont pas pu patcher ça encore. Voilà. Encore 17 réas, ce serait cool. Au moment de où il meurt, je peux pas le réa. Mm,
L'allié qui avait réussi à contourner. Allez, dans le dos du médic là. Allez, on réa. On prend les réa, Non, si j'avais été là au moment de l'explosion. Ah là, c'est cool. J'ai été médisant en début de game, mais là je suis tombé sur une game où il y a des gens qui réaniment. Contrairement au game que j'ai pu avoir cette semaine. Mais on est là, on prouve, on est des prouveurs. Allez, c'est parti. On a quasiment réussi ce qu'on voulait faire. J'espère vraiment que dans le prochain BF, les rôles de médecins, etc. seront vraiment bien mis en avant. Ce serait vraiment cool. Finalement, comme sur 2.42, ça rapporte vraiment pas mal de points. Papa. Là, il y a du monde à réanimer. Même moi, je comprends plus ce qui se passe. Eh ben dis donc, ça clique là. En plus, je... Réanimation ninja. Oh, j'ai cru au kill de Sirette. Non, dommage, je suis arrivé au mauvais endroit, au mauvais moment là. C'est dommage. Oh waouh. Les mecs doivent pas comprendre. Voilà. De se dire, mais pourquoi il y a un ouf là qui court partout et qui fait des réa. Ah d'accord, il y a un gars là. Ok. Ah dommage. L'allié, il a reculé avec la flèche sur lui. Et j'ai fait mes 100 réa. Voilà. Voilà. J'ai atteint l'objectif. Ah là, c'est ça, les mecs qui campent ici, là. Ah, ils auraient pu faire quelque chose là-dessus, quand même, hein. Parce que là, ça campe à la thermique, je pense. Et là, c'est ingérable. Hein. Oh. Ok. Ok. Ça, par contre, la rafale, je l'ai pas vu venir. Voilà. 1500 points. Hein, toujours le mec là qui est au-dessus qui me fait bien. Ouf. Les mecs ils doivent voir que mon nom s'afficher, ça va être excellent. Ils doivent se dire wow, what a player. C'est faux. Ils doivent se dire ce type n'a pas de vie pour faire que de l'aria. Alors qu'au contraire, ah dommage, la res a pas suffi pour que le mec meure. Bon maintenant faut essayer de passer les 2000 points. 1620. Ouais, il m'aurait fallu une capture, un truc du genre là. Je sais pas si y a un médic qui peut venir me chercher. Il a relâché la res. Ok, c'est cool. Ok, c'est top. Les 2000 points, c'est faisable. Hein. C'est,
c'est pas infaisable. J'ai envie d'y croire aux 2000 points. Là. Je vise même pas les types là. Dans les tunnels, ça a l'air d'être un carnage. Dommage, l'allié qui est. Ouh, lui est à moi, lui. Oh, dommage, bien joué. Bon, je vais pas me plaindre, il y a un médic. Ah, tiens, le médic il meurt. Hop, t'es pas mort, le médic. Oh, bah t'es mort, toi là en place. Ah, je l'avais pas vu, lui. J'ai pas vu que c'était passé, putain. Quoi? Mais je crois qu'il y a du monde là en face. Ça peut leur faire du bien d'avoir un peu de heal. Et des munes. Oh, je prends du retard, les gars. Je veux tenter mes 2000 points. J'essaye de push avec vous, mais il va falloir avancer. Voilà. Maintenant, faut essayer d'aller choper. Allez, sur la position indiquée. Non. Cela, ça fait un chouïa loin d'essayer de repush avec tout le monde. Il y avait un type, hein, je suis passé à côté d'un type dans un smoke. Oh, dommage. Je suis plutôt dans une pose, bonne pose pour être Réa. Dommage, ouais. Il y avait vraiment cette petite enfilade qui a fait que je me suis fait avoir. Faut que je cours parce que là... Ok. J'ai empêché... En fait, finalement, j'ai empêché la mort de l'allié et qui m'a sauvé la vie. Oh, le gars là! Je vais essayer de remonter et aider les alliés là-haut. 1868 points, il reste 100 tickets. Je ferai pas les 2000, mais au moins la partie, j'aurai très très vite pris le large. Et je vous aurai très vite prouvé voilà, que BF en fait c'est ça. What a time to be alive! Hein, comme. Ça va, je déconne, ça va. J'ai pas envie de me faire bully. Hein. Alors. Ah, dommage! Évidemment, je me ferai pas Réa. Voilà, c'est des situations comme ça qui foutent les boules parce que bah, je finalement fais une partie plus que correcte hein, au niveau des points. Et en fait, c'est frustrant parce que je me fais un peu ruiner. Voilà. Par des médics qui en ont rien à faire de réanimer des gens. Ah, dommage. Ah, la réa qui est pas passée là, c'est... Ah. Nice. Ok, ça c'est cool. On va aller chercher ces mecs là, c'est important. C'est les plus importantes derrière. Je vais aller le chercher lui, voilà. Voilà, parfait. Bon, on est aux portes des 2000 points. Là c'est une crise d'épilepsie. S'il vous plaît, non, non. Putain, le médic qui livre.
Il faut que j'essaie de pas mourir là. Il faut que j'essaie vraiment de prendre les réas quand il faut. Oh là là, les 2000 points sont passés, let's go! Défi réussi. Non! Putain les gars, 137 réanimations, plus de 2000 points. Je suis devant des mecs qui font des 60 kills, 80 kills en face. Voilà, je pense que ça vous prouve bien que si vous faites des kills et que vous pensez pas à votre équipe, vous êtes, pas une merde, mais voilà, vous jouez les kills, ça fait partie du jeu, mais évidemment, vous pouvez, en fait, être moins utile que quelqu'un qui vous ranime. Donc voilà, c'est cool. Là, en plus, si on gagne la game, c'est vraiment un must. Faut que je passe par là. Allez, let's go. J'ai essayé d'envoyer la grenade pour pas que l'allié prenne les dégâts de grenade. Voilà, la flash qui arrive dans mes dents. Je suis mort pas mal de fois quand même, hein, 20 fois. Il est mort et respawn. Hop. Je suis hyper concentré, c'est un truc de zinzin. Let's go. Le mec heureux d'avoir fait 0 kill. Je suis dans la meilleure squad, bien évidemment. 144 heures, en même temps 2000 points, 2115 points. En vrai, je pense que j'ai jamais fait autant de points. Je pense que j'ai littéralement jamais fait autant de points sur BF. C'est grave. Incroyable. 144 animations, 2115 points, premier de la game, donc voilà les amis. C'était une vidéo en one shot, mais c'était pour vous prouver que, évidemment, juste en étant médic, vous pouvez être un très bon joueur de Battlefield, même en faisant 0 kill. C'était Romain, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez essayer de faire... Oh bon, en plus, parfait. Essayez de faire la même chose que moi, n'hésitez pas et envoyez votre score dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout parce qu'elle était très longue. C'était Romain, salut tout le monde.